Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à Pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale Haïti dans le SAR pour l'autre numéro mise au point. Deux invités à mise au point ce matin et deux dans la même délégation Drug for All qui est en Haïti. Après, elle connaît qui ça a une fête. Après, elle connaît tout. Et nous allons parler à l'un l'âge de Fondation ça et pour qui ça a un pays, qui sa motivation y est. Côté l'idée ça sorti, qui qualité partenariat déjà développé avec organisation qui sur place. Voilà, c'est quelques parmi points pour l'aborder avec deux invités sérieux. Uxanon, qui c'est ambassadeur Drug for All, et puis gagné docteur Gardi Kadek, qui a dirigé lui-même Rêve Haïti. Monsieur Sanon et docteur Kadek, son plaisir pour vous recevoir sur TNH Matin. Bonjour Sergio Endor, bonjour tous les amis TNH qui suivent nous dans le pays d'Haïti et dans la diaspora. C'est toujours avec un pile qui est content pour que je sois capable de brasser l'idée pendant que moi je viens dans le pays d'Haïti dans le cadre d'activités sociaux humanitaires. Je dis tout Haïtien, bonne et heureuse année 2018, que année ça porte la joie, qui est content et soulagement temporaire pendant que nous travaillons ensemble pour que nous soyons capables de gagner une stabilité dans le pays. Moi, c'est Uxanon, moi, c'est humaniste, ambassadeur de bonne volonté et ambassadeur de fondation. Drug for All, une organisation qui est dans plus de 123 pays. Écoutez, information traduite en 22 langues. Nous là pour nous capables de faire éducation et prévention sur question de drogue. C'est avec un pile fierté pour me rencontrer avec un ami de vieille date, Serge Jolendor. Il y a une grande estime pour lui qui font gros travail sur le plan socio-évangélique pendant plusieurs années. L'ICU, nos confrères journalistes, comme ces journalistes, que moi suivre de près, moi suivre l'évolution de bas qui montait en haut, ces gens d'or, et moi prends soin pour me féliciter. Et moi, dit TNH, les bons outils, et avec présence et présence plusieurs autres gros journalistes, gros haïtiens, qui ont bon cœur, moi sûr et certain que Télévision Nationale d'Haïti a été la télévision de la nation haïtienne. Parfait, merci infiniment et ambassadeur Uxanon. On va parler avec Dr Kadek. Dr Kadek, c'est un plaisir pour nous recevoir maintenant sur TNH. Merci Serge, merci spectateur, merci Haïti. Moi, bien content que l'ambassadeur Sanon t'a invité pour me faire partie de la délégation, ça, son gros délégation, et puis me prendre l'opportunité pour me présenter et aspect de technologie que m'a travaillé sur lui depuis 10 ans. Et moi, c'est ça, Rêve d'Haïti. Rêve d'Haïti veut dire vision d'énergie renouvelable pour Haïti. Vous êtes dans le pays? Moi, je viens dans le pays, moi, j'ai plusieurs visites que je fais à Nessa. Moi, j'ai fait 6 visites à Nessa déjà, que j'ai rencontré des membres gouvernementaux, j'ai rencontré plusieurs membres législatifs que j'ai rencontré, que j'ai intéressé dans le projet que j'ai parlé. Moi, j'ai fait plus encore, j'ai rencontré un conseiller président. Déjà sur question d'énergie renouvelable. Avec depuis que vous quittez Haïti? Bon, moi quitté en Haïti depuis en 73. Wow. Okay. À un bon petit temps. On est venu aux États-Unis. Bon, mettez-vous aux États-Unis, Haïti toujours c'est sûr que je parce que tout ça m'a fait. Vous me connaissez que l'Atlantique côté me sorti à l'emporte à piment. Et puis pour me tomber là l'opportunité pour me travailler là. L'institution qui est plus célèbre au monde, qui est les Bell Laboratoires, qui veut dire comme ça que moi connais que ça m'apprend, qui est l'énergie nucléaire, qui est les sciences nucléaires, fort qu'on raison qui fait que bon, je mettais la tête moi. Sur le territoire d'Haïti, ou t'es fait sortir dans l'école secondaire ou... Bon, moi j'ai passé Saint-Jean Évangéliste, Malé Canada, il y a un peu de monde qui connaît pas Canada, pas de primaire. Mais Canada a fait un petit primaire pour 2 ans, pendant que travail pour rebâtir Saint-Jean Évangéliste, nous, mon groupe qui montait Canada moins deux. Sommes de Canada, parce que Canada pas été secondaire, m'a arrêté, l'emfin en diplômé pour primaire. Pour primaire. Mal séminaire, petit séminaire collège Saint-Martial. Après ça, on a quitté le pays. Toute étude universitaire, enfin les États-Unis. Exactement. Mm-hmm. Et spécialité, c'est énergie nucléaire. Science et génie nucléaire. Mm-hmm. Bon, génie. Normalement, on connaît en tout énergie fait partie de science et génie nucléaire. Parfait. Ça te prend combien de temps pour faire étude ça? Étude là prend près de 6 ans.
entre 6 ans et 7 ans. Et puis immédiatement après l'étude, je fais un post-doctorat dans Bell Lab qui était en AT&T et puis qui vient tourner à l'Ouest Technologie. Je fais 15 ans avec eux, qui a développé en matière de tout. Parce que tout ça qui fait, toute technologie qui a avancé, tout cela a sorti. Toutes ces belles laboratoires sont sortis, quel que soit soit pensé de lui-même, dans quelle technologie, que cela allant dans la Lune ou bien quelque côté dans le star que nous pouvons aller à nous avancer avec la technologie. C'est la communication number one. Belles laboratoires côté de qui est belles laboratoires à tous côtés aux États-Unis et à travers le monde. Mais headquarter nous, c'est New Jersey qui est lié. D'habiter New Jersey, j'ai déplacé de New York, mais j'habite New Jersey pour me faire partie de l'équipe. Ça. Je veux dire, qui sont pour te voir ici, par rapport à toute expérience que vous avez aux États-Unis. Bon, cher, je suis bien content à l'aide de l'ambassadeur Sanon pour me venir là pour me parler de ça et de rêve d'Haïti. Côté, et moi, fait en 1998, le laboratoire était nommé moi comme membre distingué de laboratoire. Là. C'est 10% laboratoire seulement qui atteint le niveau ça. Moi, même année, ça a été pour moi comme ingénieur noir de l'année 98. Donc, ça me fait me présenter une présentation par ingénieur et scientifique haïtien à Miami, étant expert en communication, tout, me fait optique de fibre. Sur moi, je dis, et délégation qui est en Haïti, même année ça, en 98, avec Téléco, moi, je dis au conseil qu'il faut que Haïti implémente fibre optique en bas de l'eau, pour les lier pays avec le monde entier. Si ça va faire, je vais participer à la market mondialisation qui pourra le faire là. Qui veut dire comme ça que vous avez un call center qui, je dis, c'est un 400 billions de dollars industriels. Nous n'avons pas de communication, nous n'avons pas de passer fil optique de fibre, nous n'avons pas participé. Ça veut dire que le market share de Haïti, c'est zéro lié pour et call center ça, que nous avons une opportunité là-dedans. Nous avons les projets ça, nous avons les présentations ça, Haïti 2020. Haïti Vision 2020. Vision 2020. Ça veut dire qu'on a une vision pour 2020 si Haïti participe avec. Pour implémenter fibre optique, pour communiquer pays avec à travers le monde, ça c'est la plus grosse possibilité de la gagner pour le développer. Mais vous avez encore une expérience fibre optique, comment c'est fait là en Haïti? Mais nous en 2018, nous avons 2 ans pour 2020, qui veut dire que nous pas qu'on y a là, branche là déjà, oui. Mais si en l'an 2000 nous avons commencé, nous avons implémenté, ça veut dire que nous avons fait participation. Même 10% de marché, si nous avons gagné, ça fait 40 billions de dollars pour Haïti. Et nous connaissons Haïtiens parlent français, ils parlent anglais, ils parlent espagnol, ils parlent créole. So, vous marchez pour lui, pour call center, nous pas participer là-dedans. Ça, c'est en 1998. En 2010, après le tremblement de terre, là, de Princeton Université, moi, j'ai fait 7 ans avec Princeton. Et j'ai dit Princeton pour le débat, nous, un centre de formation d'énergie renouvelable pour Haïti. J'ai travaillé sur ça en pile. Je viens de faire une présentation ici en 2010, ma présentation. Derrière les présentations, Haïti Vision 2050. Parce que je travaille sur l'énergie renouvelable avec Princeton. Je vois que la possibilité existe, côté que nous avons une chance encore. Et chance ça, c'est pour Haïti venir first encore. C'est la seule chance que Haïti gagne. Pour le vin premier encore, c'est la chance d'énergie renouvelable. Mais Haïti great again? Yeah. Haïti first again. Parce que nous étions premiers, et nous connaissons que chaque fin pas qu'un des premiers. C'est une désunion. Et rêve d'Haïti, c'est une question d'unité. Pour tout pays à marcher ensemble. Et si vous avez une vision d'énergie renouvelable, rêve. REV, Renewable Energy Vision pour Haïti. Qui veut dire que son tête ensemble que lié, côté que peuple là, public là, gouvernement mettent ensemble avec un partnership pour avancer le pays ensemble. Parfait. Alors, je vais parler de rêve d'Haïti et du plus loin et plus fort, mais on vient de jouer l'ambassadeur Xanon pour Foundation for a Drug Free World. Qui est la fondation ça y est?
Et Fondation Jock Freewell, c'est une fondation, c'est comme si une non-profit organization. Ce n'est pas une organisation gouvernementale, ni une fondation qui a arrêté les gens sur question de drogue, parce que de vous dire drogue, et un pile de monde qui est en peur, drogue dealer. Mais c'est une fondation qui a fait éducation et prévention sur question de drogue. Il y a différents, environ 24 différents types de drogue, et chaque drogue, ça, il y a un impact qui fait sur mental et physique yon moun. Le on moun fait drogue ou bien prend drogue, li ou vin pa gen habilité pour que capable fonctionner bien. Li vin fo rayi moun ki l'environnement, li fait ou rayi maman, ou rayi petit, rayi frère, rayi soeur, li fait tuer moun. C'est une organisation qui déjà fait des formations pour membres du gouvernement dans le monde et monde qui sont général dans l'armée ou bien monde qui sont dans la police, monde qui sont dans le gouvernement, en façon pour qu'ils soient capables de gagner habilité, une compréhension avancée sous drogue là, en façon pour qu'ils soient capables d'aider la jeunesse, puisque la jeunesse c'est l'avenir de pays, la jeunesse c'est l'avenir du monde. C'est le travail ça qu'on a fait et c'est ça qui explique la présence Jock Freewell dans le pays d'Haïti. Vous dites nous faire éducation, éducation qui genre. Éducation qui genre, c'est que nous expliquons qui ça doit aller, et qui ça marijuana, qui ça cocaïne, et combien de monde dans tout pays qui fait, qui pays ça qui impliqué la question de drogue là, ou nous garder qui j'ai sur le plan de développement et qui j'ai pays ça y est sur le plan de sécurité. Par exemple, l'Opra Colombie, c'est un pays qui était vraiment avancé dans la question échange d'affaires drogue et on vient garder et toutes les sécurités à les monter à travers travail, éducation et prévention. Jock Freewell fait dans Colombie, côté nous fait formation pour général dans l'armée Colombie et pour policiers l'armée ou bien autorité dans Colombie. Bio, ou vin wè que taux de sécurité a vin descendre, ou vin wè que gen plus sécurité, ou vin wè Colombie a monté au niveau de stabilité éducationnelle et sa stabilité sécuritaire. Par exemple, on prend en Mexique, me fait sortir dans Mexique côté moun nan Mexique yo, yo saute honorim pour 15 années de travail humanitaire que m'a fait dans le monde là. Nous tout profiter faire des formations pour membres de la police, pour des notables dans la police. Nous avons eu une chance pour nous rencontrer avec les notables, les valeurs haïtiennes vivant en Mexique. Côté, nous mettons des chapters Jock Freewell en Mexique dans couloir communauté haïtienne, d'un côté eux-mêmes, à travers professeurs qui a fait cours dans l'université, etc., pour qu'ils soient capables eux-mêmes de gagner habilité pour qu'ils soient capables de dispenser cours et prévention de drogue fuel. Nous faisons un accord, nous faisons un accord avec chef police Mexico City en façon que nous sommes capables de faire des formations pour tout policier qui vivent dans le Mexique. Non seulement ils sont capables d'arrêter le monde, mais parfois, ce n'est pas arrêter les gens qui ont fait drogue là qui solution, hein. C'est essayer d'éduquer les gens, faire comprendre qui ça drogue là capable porter dans la société. Les gens ont fait échange de drogue, ça vient déstabiliser la communauté, ça vient déstabiliser le pays, ça vient faire jeunesse capable pas penser bien, pas apprendre bien, et ça vient faire pays au lieu pour le faire l'avant, c'est pas que la fait. C'est-à-dire que nous sentons honorés du fait que en pile côté nous passer nous des chances et pour que nous capables faire des accords et pour nous faire des formations pour des étudiants et pour moun qui dans l'armée, pour moun qui dans gouvernemental. Et c'est ça que fait moi-même qui toujours entré avec plusieurs organisations, plusieurs notables, yon haïtien qui évolue au niveau international, m'a essayé d'identifier les valeurs non seulement dans la communauté dans le couloir de la communauté haïtienne, mais des valeurs dans plusieurs autres communautés pour que capable rentrer à Kyo dans le pays d'Haïti pour que capable venir mettre expertise dans le pays d'Haïti pour que pays d'Haïti capable de stabilité. C'est ainsi que dans la délégation que nous rentrons ensemble avec elle, nous venons avec docteur et Kader, lui-même qui est un spécialiste, qui a un doctorat en énergie renouvelable, lui-même qui est soucieux de situation pays d'Haïti, lui dit que lui tendait, lui ouais bonne volonté gouvernement pays d'Haïti, notamment président Jovenel, qui voulait électrifier tout pays d'Haïti, lui a gardé formule
président adopté. Nous connaissons que dans la question énergie, dans le pays qui a un pile bête, les bêtes et poupou, ils sont capables de transformer la matière fécale en énergie. Il y a des pays que les fatrayos. Yo ka transformer fatra yo en énergie, mais ça capable bail tout un pays électricité, ça capable bail une zone, un quartier ou bien une ville, mais avec formule docteur Gardeguer à côté li a essayer exploiter énergie naturelle qui c'est soleil, vent et l'eau, et bien ça capable au fur et à mesure, au fur des ans, pour que nous avons stabilité énergétique, énergique, durable, et ces formules ça que lui voulait faire promotion pour lui à travers REP d'Haïti, pour que il soit capable d'analyser différents formules pour qui ça qui bon dans tout, mettez-les ensemble et pour qui gens que nous capable utiliser ça, prendre ça de bon pour que le pays d'Haïti capable de stabilité énergique. Parfait. Là maintenant, il y a en Haïti et dame en connaît et mon étape garder tout dame en connaît qui côté l'idée ça a sorti l'idée pour que nous tenions certaines présences dans tout le pays pour la faire éducation sur question de drogue pour la rencontrer monde parler de impact drogue capable gain sur santé sur la vie sur pays de manière générale côté l'idée ça a sorti qui ça t'a motivé si là yo t'es décidé prendre l'initiative ça et soucieux de instabilité sécuritaire un bien monsieur Wan lui même qui c'est fondateur d'un mouvement qui est les scientologie lui essaie de développer plusieurs formules pour voir qui façon que il est capable aider la société gagner job fuel qui a fait éducation sur question drogue gagner CCHR qui lui même impliqué dans question droit humain gagner youth human right qui c'est des jeunes qui a fait promotion pour de droit de l'homme qui nous connaît gagner 30 droits de l'homme après et la deuxième guerre mondiale Nations Unies il même fait question déclaration de droits de l'homme et que organisation ça il mettait plusieurs instances campées en façon pour que contribuer dans et déstabiliser le monde entier c'est là mouvement ça sorti et moi même qui suis un haïtien qui a cherché ça qui bon pour aider à développer non seulement Haïti et dans le monde là. Lorsque je fais partie de une conférence et à Dr Ben Fiasco, qui est un spécialiste dans le médico, monsieur, c'est un spécialiste en question implément dans. Et bien, l'étape des discours que m'a fait, l'étape des parcours que m'a fait, l'étape des qui gens que m'a contribué dans aider plusieurs pays dans le monde, les relèves psychologiques dit, ambassadeur ça non, moi t'a remis pour que nous collaborions ensemble, moi t'a remis pour que, ou t'a ambassadeur, Jock Fureur, puisque, ou son figure mondiale, et nous, ou dynamisme, nous, ou travail qu'on fait, et nous, chita, nous prend training, nous prend compréhension, Jock Fureur là, et, yo a fait une cérémonie d'installation et moi-même qui ont un esprit d'équipe et un esprit d'équipe moi les moins ont dans une plateforme m'pa prendre pour compte moi exactement m'ta dans Mexique m'ta recevoir une médaille d'or moi t'aller avec une délégation qui te gagné plusieurs haïtiens là-dedans que moi estime qu'a font travail extraordinaire mais qui pas de plateforme pour c'est la raison pour laquelle il y a une jeune mademoiselle une jeune dame haïtienne qui est bon à prendre ça avec elle madame Valérie Désir et Paul Villefranche que vous connaissez très bien et tap modèle Emmanuel pour du jour lorsque a installé comme ambassadeur Jock Fuel moi chita avec responsable Jock Fuel moi dit moi j'ai une équipe dynamique puisque monsieur haïtien bien que moi c'est ambassadeur Jock Fuel dans le monde là mais en Haïti nous avons un problème de drogue nous avons un problème éducation prévention de drogue moi voulais rentrer dans Jock Fuel avec une équipe dynamique qui est capable vulgariser travail éducationnel ça c'est ainsi que Zamim Bozamim Paul Villefranche qui a eu de bons rapports ensemble avec lui et moi dit moi proposé pour que l'issue une liaison Jock Fuel pas seulement pour Haïti mais dans toute Caraïbe là et madame Valérie Désir qui c'est une dame que je pas connais longtemps mais moi dynamisme moi détermination moi volonté pour que le capable aider notre travail humanitaire moi nommé comme liaison Jock Fuel pas pour Haïti mais pour toute Caraïbe c'est-à-dire que les capables aider dans propager information ou éducation prévention drogue là non seulement dans le pays d'Haïti mais dans tout pays dans Amérique là et on tape modèle
qui représente la beauté, mais puisque l'origine Haïti, il saute dans Jacmel, Madame Emmanuel Potijou qui est là dans Bagua, on mettait comme liaison Jock Fewer aussi. Et que nous gagnons trois Haïtiens qui dans le pays d'Haïti, qui origine Haïti, qui ont une plateforme internationale pour que soient capables de propager le travail éducationnel de Jock Fewer là. Et soit Gado Gagné et papier en tête là, assurément c'est de Madame Valérie Désir que Gagné. Il a une habilité par exemple pour que soient capables de contacter le monde dans le gouvernement et Haïti, le monde dans le couloir médiatique là, le monde dans le couloir business, le monde dans le couloir éducation, pour que soient capables de dire, mes travaux que nous avons fait, nous avons fait des conférences, nous avons fait une relation avec vous, en façon que nous sommes capables de stabilité ou bien de prévention sur la question de drogue là. Parfait. C'est ça que je veux dire. Maintenant, qui ça nous déjà fait en Haïti depuis le nous mettons Mounsa au café liaison? Qui ça nous déjà fait en pays d'Haïti? Parce que il y a plusieurs formations qui fait, il y a plusieurs distributions des bouclettes sous information et prévention de yon monde sans drogue qui déjà dans le pays d'Haïti, nous avons environ 30 à 40 000 bouclettes de Jock Fewer qui traduit nous dans 22 langues différentes. Et Madame Valérie, qui c'est liaison Jock Fewer, a déjà recevoir plus de 100 boîtes que nous avons fait order pour nous envoyer dans le pays d'Haïti qui traduit déjà en français, de sorte que les mêmes qui sont au monde dynamique, qui a été avec notre collaborateur, Paul Villefranche, et l'autre, parce que son mouvement volontariat, c'est le monde qui est volontaire, c'est pas un bagage vraiment qui a l'argent là-dedans. Moi, pas touché, et pour que dans l'éducation que moi entre avec dans le pays d'Haïti, que moi-même qui suis ambassadeur de Jock Fewer, moi entre avec Jock Fewer, bien que ouais, il y a un pile étranger qui a aidé. Fait travail de propagation de information, éducation et prévention du Jock Fewer, c'est pour bailler qui paye l'argent. Qui rapport nous a dit, par exemple? Qui rapport nous a dit, nous pas vraiment un rapport étroit à dire. Il y a un travail sur le plan d'identifier des drug dealers, arrêter, mettre en prison. Nous-mêmes, nous avons l'autre approche éducationnelle. Nous pas arrêter mon bien que ambassadeur Jock Fewer, c'est mon Iwink, c'est mon peut-être qui te fait 20 à 30 ans dans la police, qui t'a travaillé comme undercover dans la question drogue, qui t'a arrêté mon, mais qu'on a vint estimé que bien que toujours dans la police, mais que quand pile monde qui fait partie de Jock Fewer, qui c'est ambassadeur de Jock Fewer, qui assurément travaille pour dire, mais nous-mêmes nous pas arrêter monde, nous pas yo ça snitch, nous pas garder à chercher qui est-ce qui Jock dealer pour arrêter yo, mais si nous connaissons un Jock dealer, par exemple, un groupe haïtien qui ont arrêté dans nos galans qui était impliqué sur drogue, me parler avec mon famille, mon ça yo, si j'ai chance pour me parler ensemble avec yo, m'a essayer encadrer, m'a essayer expliquer yo qui impact. Et c'est parce que pas de formation sur question drogue, pas de éducation qui était faite et prévention sur drogue, qui fait que yo al impliqué al pour risque et kounya non seulement yo affecté, mais yo vinn déstabiliser image Haïti aux yeux de nos spectateurs nationaux et internationaux, puisque les Haïtiens ou bien 20 Haïtiens ont arrêté, et bien c'est réputation toute Haïti qui vient en danger. Ce travail moi c'est essayer faire un travail éducationnel avec drug dealer yo, pour que yo pas arrêté yo, pour que yo pas en prison, parce que les yo prend prison pendant 20 30 40 ans, yo quitte ti moun derrière. Qu'est-ce qui financer nous? Maintenant, c'est une organisation non-profit, et que c'est des volontaires, monde qui volontaires, des organisations qui ont écrit et lettres, et bien, eux-mêmes, ils ont financé Jock Fewer de sorte que Jock Fewer est capable de promulguer, de propager et information ça qui vraiment contribue à la stabilité au monde sans droit. Le Haïti, c'est ça, et docteur Kader, qui ça fait dans le rêve là? En dans rêve là, moi j'ai une opportunité, merci en pile ambassadeur. Il parlait de en pile monde que nous appuyé dans le Paul Villefranche. Quand tu es venu la caille, moi j'ai une présentation sur ça, tu as un concept là en pile. Et moi j'ai une opportunité pour me avant un Jovenel devenir président. Et en 2015, des fois on breakfast pour lui. Moi j'ai dit comme ça que l'ovine président m'a venu de haut sur question énergie. Moi j'ai gagné l'autre et membre législatif quand il y a eu la torture et plusieurs monde venir appuyer
sur le concept, sur la technologie. Ça, ça gagne dans le rêve d'Haïti, c'est un, son concept lié. Et là-dedans, il y a des trois innovations. Mais son concept pour mettre ensemble les ressources qui gagnent en Haïti. Ressources que nous gagnons en soleil, là, vent, de l'eau, mounio, pour nous, ouais, qui gens que nous sommes capables de changer le pays. Le rêve d'Haïti, comme je dis, la possibilité, c'est pour faire Haïti, Haïti can be first again. Et bien après, c'est que le Haïti first again, là, pour un drug free Haïti, parce qu'avec l'ambassadeur, ça nous a fait un bel travail. Et nous avons dit Haïti Vision 2020 que nous avons présenté. Le nous garder pour qui ça, moi, je que l'expérience que nous avons gagnée dans l'énergie, l'expérience que nous avons gagnée dans la science nucléaire, c'est que si vous regardez le soleil, là, le soleil est une plante que liée, une plante nucléaire liée. So, ça lui fait, c'est l'hydrogène qui a boulé bouillon dans le soleil. Là, et puis, pour 4,5 billions d'années, il a produit énergie. C'est l'hydrogène qui a produit énergie parce que la bouillon dans et puis la bas énergie. Que pays du monde qui a développé ça aurait un tokamak réacteur. Nous avons un réacteur panneau sous tête. Tokamak réacteur, ça fait ça dupliquer le soleil. Là. Réaction qui fait dans le soleil. Là. Pour apprendre l'hydrogène, pour apprendre à mettre l'ensemble, pour faire réaction. Ça a même 30 ans que y a essayé de faire ça. Ou bien l'Europe, les États-Unis, tout pays asiatique, qui a mis ensemble pour développer le système. Ça, parce qu'on est sans solution. La France, qu'on y a là, c'est avec l'énergie nucléaire qu'elle servit pour faire l'électricité dans le pays, dans la France. 70% de la France, c'est l'énergie nucléaire liée. Ce n'est pas le même style de hydrogène. C'est plus fissionné au lieu de fusion. So, moi, je dis comme ça que dans quatre ressources que nous gagnons, l'énergie renouvelable que nous gagnons, le soleil, c'est le number one. Position Haïti à travers l'équateur. Liban au soleil là, 10 à 12 heures de temps par jour, quel que soit le jour, il y a un soleil. Sans problème. Donc, si il y a un tempérie, si il y a un cyclone. Si il y a un cyclone, nous avons vraiment un soleil quand même. Ou nous n'avons pas rapport à assez d'énergie avec le cyclone, non. Mais son bail catastrophique lié. Mais nous avons un soleil 365 jours, nous avons 10 heures de temps de soleil à 12 heures de temps par jour. Si nous entrons dans le concept énergie renouvelable. Nous connaissons que faut que nous gagnons affaire de stockage. Si nous prenons le soleil, ça que Haïti recevra là une journée seulement, nous capables de stocker li. Nous gagnons assez d'énergie pour nous servir pour 22 ans. Ça, c'est calcul là que fait. Une journée d'énergie de stockage qui frappe sur Haïti, territoire là, l'a assez pour lui servir pour 22 ans. Ça veut dire qu'on a que faut que nous entrions dans le domaine de l'énergie renouvelable pour apprendre à innover, innovation, pour nous faire. Parce que ça va l'impliquer en termes de conditionnement pour que nous effectivement entrions là-dedans. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire en termes de prérequis pour que effectivement soit dit à nos réalités. Eh bien, et le rêve d'Haïti, c'est une tête ensemble, comme on dit, que faut que nous commençons et entrer dans l'installation de panneaux solaires. Chaque caille en Haïti qui est capable, qui a une possibilité, supposé qu'on ait un panneau solaire sur tête. Et Jean, concept là, développé là, c'est pour un caille supposé qu'il y a trois fois d'énergie pour le produit que le besoin. Bon, vous avez l'expérience qu'a fait les IWA. Moi, expérience. Le qui est un mix, qui a bien. Un hybride. Exactement. Ça, et vent, il va utiliser. Nous ne pas servir avec vent, parce que vent, moins que le. Analyse moi pour faire vous vent en Haïti, son seul côté qui a un bon vent pour t'avoir une plante, c'est Mont-Saint-Nicolas. Mais
pour ça nous gagnons, nous avons besoin de vent parce que nous avons tubigno tellement haut, tellement bas pour nous passer devant là pour nous avoir difficulté pour nous transporter, pour nous faire toute qualité pour nous. Pour nous mais qui apporte d'Haïti Kababay puisque vous avez fait télévision d'après le président Jovenel Moïse de parler de ça, il dit 20 mois, faut Haïti alimenté 24 sur 24, bon. Il tenu à faire lui. Maintenant, qui contribution pour rêve d'Haïti capable de porter la dynamique, je veux dire, pour que l'énergie renouvelable, c'est lui nous utiliser pour bon, nous mettre et moi, je ne connais pas exactement qui, je connais le président à fond, une série d'activités de micro-plantes, une série de bailes dans différents locaux. Voilà, c'est un bel bail lié. Et il est possible pour alimenter tout le pays en 24 heures. Dans 24 mois, c'est possible. Mais à quelle mesure? Est-ce que l'énergie renouvelable, durable, je crois que vous êtes capable de faire? Moi, un programme, c'est 13 ans. Dans 13 ans, on va commencer en 2018, en 2030, Haïti a complètement 1,5 gigawatt d'énergie entre solaire et de l'eau. Il faut évaluation de Sangué là, je veux dire, en termes de. Faire évaluation de Sangué, Malpelig, visiter toutes les plantes hydrauliques. Visiter Pelig, visiter Douem, visiter tout côté. Moi, que pour nous faire système de l'eau, c'est pas comme ça. Nous ne pouvons pas faire quand coupe Pelig parce que nous n'avons pas assez de l'eau. Il y a 15 rivières qui alimentent Pelig. Et Tubine Pelig, il y a ancien, il y a possibilité pour t'apprendre Pelig à 50 MW pour t'apprendre 150 MW. Et si vous changez tout tubine, vous changez tout système, il y a une possibilité. Mais le système de l'eau que j'ai observé avec l'IA dans le programme, c'est le stockage que je fais. Il y a les pompes hydro. Pompes hydro, c'est pour gagner un pile solaire, panneau solaire, qui alimente une piscine en bas pour prendre l'eau la journée pour monter en haut. Le soir qu'on y a là, l'eau besoin d'électricité, de l'eau à descendre, libre au courant. Qui veut dire qu'on sait que le système, non, c'est un clos système lié. On pas besoin de rivière pour ça. Mais bon, si vous avez une rivière, parce que l'eau a commencé à servir avec l'IA, il faut prendre le côté, ou bien on va attendre la pluie tomber pour qu'elle va plein premier et piscine. On a besoin de deux piscines, une piscine en haut, une piscine en bas. En Haïti, nous chargeons la montagne. C'est bien facile pour mettre une piscine en haut. Si nous sommes capables de bâtir une citadelle sur tête monde, nous sommes capables de mettre une piscine sur tête monde qui est capable de prendre près de 200-300 millions de gallons de l'eau. C'est ça capable assez, c'est le niveau ça que nous avons parlé de quantité d'énergie que nous avons besoin pour chaque zone. Oui, mais en fait, je veux dire, son business qui est courant, je suis à travers le monde. Mais nous avons produit, pas forcément les cap distribuer, pas forcément les tout cap commercialiser. Mais est-ce que dans le niveau rêve d'Haïti, nous avons tenu compte de ça? Exactement. Ce réactif, nous avons dit, son système de PPP, People, which is the private là, pas avec du business, People, public là, avec du gouvernement, partnership. Son partnership lié, son tête ensemble lié. J'aime dire que la communauté, nous pouvons servir avec de l'eau, non, la communauté n'a bien un système côté que chaque caille, mettons le cas au grand, et une communauté qui Vivi Michel, nous mettons des panneaux solaires avec le gouvernement, nous mettons des panneaux solaires sur toute caille. Trois fois la quantité que nous avons besoin pour servir. On prend un tiers, et en mètre caille là, le gouvernement prend deux tiers. La journée, on servit avec un tiers là, reste là, le gouvernement prend pour le soir, le vendre, le vendre, by business, yo, plus il peut stocker, mais il ne peut pas stocker la caillou, il peut stocker la banque. La banque de stockage, parce que dans la souhait, il faut que les gens aient l'énergie pour être capable de servir. So, ou même qui et fait une quantité d'énergie là, la journée, hein, on ne peut pas faire le soir avec système de stockage. Qui gagne en banque là, m'a remettre ou m'a vendu bas. Qui le rêve d'Haïti a une certaine présence en Haïti? Bon, nous t'es supposé, l'autre bon a fait un prototype, une simulation avec une université qui nous t'es pensé à faire avec Princeton. Nous allons faire avec un community college qui est le NJIT. Que nous avons déjà établi nous avec eux pour les facultés aider nous pour nous faire simulation et puis après ça nous de simulation nous pour aller avec un prototype nous avons une zone développée
ici, côté que Daimé parlait avec le président pour nous avancer, pour nous assister avec le programme gagné. Hein. C'est le cas, garder dans le programme. Bref, d'ailleurs, ça pour salver là-dedans. D'ailleurs, il merge, et puis pour le penser, pour, parce que son rêve d'Haïti, ce n'est pas pour moi. Rêve d'Haïti, c'est pour le pays d'Haïti, pour les jeunes, 70% en pays qui sont jeunes et qui ont besoin de travail. C'est là que le rêve d'Haïti va venir. Parce que si nous avons besoin d'assez de panneaux solaires pour nous mettre quantité ça que m'a parlé, il faut que nous fassions panneaux en Haïti. Il faut que nous venions avec des lignes de production dans le pays. Et si nous venons avec une bonne ligne de production, nous sommes capables d'exporter aux États-Unis dans le pays extérieur, qui veut dire comme ça que les États-Unis ont besoin dans les années 20-25 700 millions de panneaux solaires. Qui côté le prend? La Chine, qui prend plus ça d'ailleurs. So, si nous avons en pile ligne de production bien et certifiée, cap et pour être capable de revendre à pays d'extérieur, même si nous même capable d'acheter dans nous. Parfait. On va s'adresser à nous, nous avons pays jusqu'à quelle heure et qui ça a déjà fait? Et nous avons pays, nous avons déjà parti déjà. Et premièrement, et puisque nous sommes rentrés avec une délégation largement large, qui a plusieurs instances que nous capable de découvrir, qui c'est qui a rêve d'Haïti. Nous avons Yves Jupierre, lui-même qui est un agriculteur. Et il dit que c'est le deuxième plus grand agriculteur dans le pays qui est rentré dans l'éducation. Tu as gagné Mme Edina Paul, lui-même qui est présidente et Femme Sepotomitan, qui est une organisation de droits humains qui a fait promotion pour faire respecter les droits femmes, qui est rentré. Tu as gagné TAP Modèle et Manuel Potijou qui est PDG INH, BNH Modeling Foundation. Et tu es rentré avec Ben Fiasco, lui-même qui est président de la Fondation Jock Furol dans le chapter Americas. Et nous sommes rentrés avec Cleveland, gagné meilleur Macron Champagne que vous connaissez tous les mêmes qui fait partie ou bien qui c'est CEO de l'autre organisation de droits de l'homme qui rentre à nous. Gagné notre ami Ruth Milius qui est une éducatrice qui a vécu dans Montréal, Canada, qui fait partie de ADEPN. Et gagné un pile d'autres monde, gagné Richard Kazi, le même qui c'est président de une compagnie de chaplaincy qui a fait ben, des conseils, etc. Mounsayo, moi suggéré pendant notre temps entre la délégation, ça que nous faisons deux à trois fois par année, pour que nous capables de contribuer. Pendant qu'il a essayé de présenter expertise pour que nous capables de stabilité à long terme, plus que pays d'Haïti et ces moments Noël, un poteau de la joie temporaire. C'est dans ce sens ça, nous tous les têtes nous ensemble, nous t'ai accompagné la police ou bien famille la police qui était mourue pendant yo notre travail. Et grand pile madame policier ça yo, petite policier ça yo qui dans situation difficile. Docteur Cadet, Yves Pierre et du Napole, Emmanuel Apodijou, Richard Kazi, toute équipe là. Mettez-vous ensemble et côté de gagner à Paul Villefranche et madame Valérie Désir, lui-même qui était coordonné ensemble de recevoir délégation ça et nous faisons pile bagage. Ça nous porter manger gagner vieux Pierre qui débaille puisque monsieur c'est agriculteur et manger aussi dans le pays d'Haïti. Nous pas vite pour faire charité mais juste pour te porter un content cadeau. Nous te porter banane, patate, avocat, yam et etc. manger qui fait de la carte en façon pour nous montrer mon c'est dans planter, c'est dans production. La carte que n'a pas stabilité à long terme dans le pays d'Haïti. Nous avons porté jouets, un pile jouet pour Timonio, nous avons porté valise l'école, et nous avons porté drone, docteur Gade lui-même qui a avancé dans le domaine de l'énergie, nous avons porté drone qui est capable de voler en façon pour esprit Timonio capable de développer. Au lieu de faire des machines, etc., un ballon bagaille qui est capable de faire esprit développer. Et nous accompagnons la police et il y a plus de 7 organisations que moi-même personnellement, moi baille des jouets et matériels valises. Ou bien de toi, ou de suggérer moi, par contre, de toi et organisations que nous baille valises. Et nous avons des formations que nous faisons pour Jock Fuel, IMT, Najak Melkaï, député, nous.
Jean-Philippe, côté nous avons fait formation pour plus passer une centaine de monde avec les leaders de la zone. Prévention de drogue, nous t'ai parlé de énergie renouvelable là, et nous t'ai fait une fête à Kyo et que moi-même personnellement avec Dr. Kader, nous t'ai sponsorisé et ça m'a fait connaître ça pendant 15 années à porter soulagement. Nous t'ai dépensé environ 2 à 3 000 dollars américains dans la zone Jacques Mella, bas mon manger. Et nous battons bravo pour Chadi Hôtel, c'est dans l'hôtel nous avons fait ce séminaire là. Ce n'est pas l'argent au débat, mais c'est moi avec Dr. Kader qui met l'argent nous et avec Zamim tout contribuer, Emmanuel pour du jour, Gaye Précoce. Toute délégation tout, tout membre délégation contribue différemment, mais chaque monde contribue. Tant que parti, nous avons fait Jacques Mella, c'est Dr. Kader qui dit. Ambassadeur Sano, ou pas le faire activer ça dans Jacques Mel, bambo support. C'est-à-dire que ça, son support, pam, et tu pour tes valises, tu es pour tes bananes, comme si tout le monde pour tes bagages. Moi-même qui suis un humaniste qui expérimenté, qui a fait longtemps, par exemple, après Cyclone Mathieu, moi, c'est le premier haïtien qui fait Haïti cadeau un don qui est évalué à 500 000 dollars. Et nous gagnons exactement pour remercier le député Jerry Tadieu. Lui-même, lorsque moi remettre le pays d'Haïti dans ça, il déplace ville New York, il rentre ici avec conteneur, il mettait toute équipe en branle, des députés, des sénateurs, directeurs départementaux, nous avons fait sacrer une caravane humanitaire dans le sud, nous avons visité plus passer 7 villes dans la zone, nous avons venu avec une délégation de Valéry, Saint-Luc, qui est là, et dans ce débat qui t'a pris image, nous avons vraiment porté un soulagement temporaire dans le peuple sud là, c'est un débat en donation qui est valu à 500 000 dollars, et nous battons bravo pour accueil et gouvernement de bail. Enfin, mais Jacques, après la visite, qui ça attend tu après et visite ça qui ça attentionné et me pense que pays d'Haïti besoin de stabilité et nous besoin pour peuple haïtien comprendre que faut nous suspendre et abgarder sous étrangers qui pouvaient aider nous. C'est ça que Yves Pierre voulait essayer faire plus travail, nous mettre plusieurs dizaines de milliers de poules, de bêtes, de planter manger pour que nous avons la stabilité. Et pour nous pas prendre manger qui inspirer dans notre nation. Moi-même, ou bien qui a rentré avec délégation, c'est pour Haïti qu'on ait ressources développement pays d'Haïti, c'est dans nous-mêmes que lié. Pour qu'on ait que pays d'Haïti gagne une réputation très stratégique, très puissante sur le plan politique et diplomatique à cause de ça nous fait historiquement nous sommes le premier pays noir indépendant dans le monde. Nous sommes le premier pays, nous faisons partie de 50 pays en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale qui créaient les Nations Unies, nous contribuaient pour que Israël prenne l'indépendance, nous contribuer pour nous aider Venezuela, nous bailler l'armée, nous bailler les armes, nous contribuer vers 1700, voire plus passer 500 soldats à aider les États-Unis pour prendre l'indépendance. C'est-à-dire que Dieu tout le monde sous le pays d'Haïti. Pas oublier, nous fait la révolte de 1791 qui aboutit à la proclamation de l'indépendance 1er janvier 1804. Moun sa nous battu, c'était l'armée française qui était plus gros l'armée dans l'époque, la même Jean-Pays Amérique qui c'est plus grande puissance. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie généralisée quand il s'agit d'Haïti. Moun le pays d'Haïti en pile ONG, mais il n'y a pas vraiment bon plan de développement. Il n'y a pas vraiment bon formule pour que capable gagner, pour capable électrifier tout le pays. Il y a rentré, il y a sorti, il y a fait capital politique dans le pays d'Haïti. Il y a bon manger du riz, patate, etc. temporairement, mais il n'y a pas aidé. Comme les constructions que vous faites. Par exemple, nous sommes campés, nous avons fait une délégation pour aller dans Montréal, Canada, nous allons dans Radio Canada, rencontrer avec les autorités canadiennes. Pour advocating, pour négocier pour le peuple haïtien, puisque tu vois que tu as une hypocrisie, tu as deux ministres haïtiens qui ont l'autre bois, ils ne peuvent pas recevoir. Il faut gagner ministre Hutel qui recevra M. Chita, nous rencontrer avec les leaders mal prennent télévision pour me dire que Haïti a de bons rapports avec Canada. S'il y a un problème au niveau des États-Unis et nous avons environ 5000 Haïtiens transités essayant de trouver un refuge à Montréal, Canada, Montréal, Canada doit prouver un cœur de solidarité envers ce pays qui a un bon rapport à Canada. Et que moi, à parler à tous les médias canadiens pour me dire que nous te recevons 30 000 Syriens et plusieurs autres nations
qui le Canada te bail refuge, et après là aussi Canada c'est deuxième pays qui a plus grande superficie qui côté pour les haïtiens. So là fait politiser bah là ou font diplomatie déstabilisatrice pour dire que il y a trop d'haïtiens, 5000 haïtiens, mais on te reçoit 30 000, 40 000 de différents groupes ethniques. C'est à dire que gon hypocrisie, c'est haïtiens qui mettent ensemble pour que nous mettons expertise nous ensemble, pour nous mettre intérêt personnel que colons ont été dans tête nous depuis la Guinée, ce n'est pas vrai, c'est pas eux-mêmes qui t'ont battu nous, mais c'est nous-mêmes qui ont divisé ensemble pour qu'à régner. Pour nous connaître un gros travail déstabilisateur qui est fait, c'est moi-même ou même nous tous qui nous mettons ensemble pour que nous soyons capables d'aider le gouvernement et des pays nous stabiliser. Nous allons finir, je vais attendre le docteur Kader et nous parler de ce qui s'est lié et après passager en Haïti, qui s'est l'attendre et dans qui ça s'est arrivé à Haïti, fait chimel en Haïti. Bon, avant, je vais finir avec un point que l'ambassadeur dit sur l'affaire de douane. Nous gagnons 10 douanes que nous portons pour nous aller by, nous rencontrer avec DG et police nationale là, avec commissaire que nous amis mieux collègues moi j'étais allé rencontrer pour nous faire formation Timounsayo c'est eux-mêmes qui viennent futur et pilote dans douane parce que ça qui a parlé de qu'on y a là la technologie qui a pas venu c'est senseur c'est GPS c'est tout bagaille ça que nous a et après impliquer là même pour eux-mêmes comme gain une notion de ça qu'a fait. Bon, sur question de rêve d'Haïti, moi marqué que et pour me continuer avec ça et ambassadeur dit hein, pays d'Haïti ça pour sauver lui, c'est nous-mêmes qui pour sauver. Pas aucun international qui va sauver pays d'Haïti pour nous. Vous voyez un proposal by United Nations, rêve d'Haïti m'voyer by la Nations Unies pour présentation pour $1 million que tu as payé pour accompagner le projet dans n'importe pays du monde. Il y a 263 applicants qui sont rentrés. Et moi-même, étant non projet, c'est la transformation de pauvreté qui sont capables de servir à l'énergie renouvelable pour transformer pauvreté à prospérité. Mais pauvreté à prospérité, c'est nous-mêmes. C'est dans cette pauvreté à nous avons cherché. Mais côté tous les grands pays que vous mettez là, dans 13 pays que vous choisissez, vous voyez comme ça que ton projet est très bon. Le projet est bon, même pas gagné. Même côté gagné chance pour me gagner, parce que c'est les Nations Unies qui doivent accompagner Haïti pour le transformer en pauvreté à prospérité. Rêve d'Haïti a une grosse possibilité pour le transformer le pays. Hein. C'est pour me pour gouvernement garder pour le web, défendre présentation dans le palais jusqu'à maintenant et nous pas jamais chita pour nous dire qui sort porter qui ça pour là exactement côté que nous avons ces possibilités à faire pour payer à avancer jeune yo fort yo bon bagaille pays pas font pas si pas gain travail et rêve d'Haïti c'est entièrement avec énergie avec mondialisation que nous avons entré là-dedans, là, c'est ça qu'on va parler, qui gens pour servir à l'énergie renouvelable pour capable transformer un siècle d'avancer dans la prospérité. Voilà, ambassadeur Yuxano, docteur Gadi Kader, et vous nous avez parlé de présence délégation ça en Haïti, et délégation et Jack Fouanda, vous avez parlé de ça, vous fait, motivation, attention, et de tout profiter, bat bouche avec docteur Kader sous rêve Haïti s'allier, et la question sur quoi et rêve Haïti capable d'aider, je vous dis, surtout la question de la dynamique et de l'énergie renouvelable. Monsieur, merci en pile, et bon séjour en Haïti, on l'a quand même certainement, et puis je souhaite en 2018, il a une possibilité pour nous parler encore. Merci, Seigneur Edor. Encore une fois, moi, je dis tout haïtien, bonne et heureuse année. Et moi, félicite pour le travail qu'on a fait. Et moi, félicite le gouvernement haïtien, notamment le président de la République, là, qui a une volonté pour développer le pays. Moi, je suis monté des sangs, moi, je suis humanité. Je dis haïtien, un jour à lui, un jour à tout haïtien pour qu'il soit capable de stabiliser le pays. Merci. Voilà. Merci. Voilà, deux invités à mise au point. Uxano, docteur Gadi Kader. Merci tout le monde qui est avec nous. Sautez là dans la matinée. Là, je souhaite vous passer une très bonne journée. Si c'est rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.